Bon, ça a été annoncé hier, j'en ai pas parlé non plus parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter, mais bon, c'était dans l'air du temps, de toute façon, on le savait que ça allait se passer comme ça. Donc la Belgique, renouvelée pour l'année prochaine, seulement l'année prochaine, hein. Attention, pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud était la favorite pour prendre la place de la Belgique, mais il est entendu que 2023 est désormais jugé irréalisable pour un éventuel retour à Kiamy, 2024 étant plus réaliste. Donc un contrat d'un an a été conclu avant la course. Dominique Allais a déclaré: nous devons féliciter le travail des organisateurs de la course. Vous avez vu l'investissement qu'ils ont fait. Vous voyez le nombre de personnes qui viennent ici, une foule incroyable, une attention incroyable aux gens. C'est super, super pour le sport. On a toujours dit que la course faisait partie de notre tradition et qu'elle occupe une place très importante dans notre calendrier. Et c'est un fait que nous voulions partager aujourd'hui avant la course avec tous les fans présents. Alors, ouais, enfin le mec, faut que aussi Dominique Allais, hein. Parce que s'il y avait eu Kiamy près, t'aurais vite oublié Spa-Francorchamps, mon gars. N'importe quoi. À la moindre occasion, il sera prêt à jarter Spa, hein, donc arrête un peu Stefano, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prolongation? Bonne nouvelle ou pas? Ciao.